Je voudrais d'ailleurs profiter de l'occasion pour vous annoncer la création de notre nouvelle académie. Toi aussi, tu es jeune, incompétent, inconnu et tu fais partie des petites gens. Rejoins la Di Rupo Academy et deviens secrétaire d'État ou ministre. Une formation accélérée avec les meilleurs professeurs. Toi aussi, tu rêves de briller au firmament de la politique tel Frédéric Laloux ou Julie Fernandez. Inscris-toi, vite, que tu sois artisan, pâtissier ou technicien de surface. La Di Rupo Academy t'accueille à bras ouverts. Ça va marcher, ça c'est sûr. C'est à présent l'heure de retrouver Elio Di Rupo en direct du Studio 5 pour la quotidienne de la Di Rupo Academy. À vous Elio. Bonsoir à toutes et tous. Toi aussi, tu veux devenir secrétaire d'État, avoir une belle voiture, une carte d'essence et un joli portefeuille. Tu n'as aucune compétence. Rejoins-nous à la Di Rupo Academy. Premier candidat aujourd'hui, nous recevons Kevin Vermeulen. Il est magnifique. Alors Kevin, présente-toi. Hey, Kevin Vermeulen, 22 ans, assistant boucherie au Cora de Manage. Il n'était pas temps. Alors dis-moi, Kevin, quel est ton rêve? Je voudrais devenir ministre des Finances. Épatantissime. Tu es à la bonne adresse, Kevin. Mais rassure-nous, tu n'as aucun mandat. Non, tu non. N'y connais rien. Non. Tu n'as jamais entendu parler des intérêts notionnels. C'est quoi ça, un jeu vidéo? Époustouflantesque. Je consulte les membres du jury. Madame Arena, notre directrice, acquiesce, comme d'habitude. Monsieur Magnette, notre professeur d'expression corporelle, de politologie et de flûte-à-bec, opine du chef. Oui, vous opinez du chef. Quant à Madame Fernandez, elle me dit oui, tant mieux, bravo. Vous êtes reçu. À demain pour une nouvelle sélection de la Di Rupo Academy. Il est 18h46 et 49 secondes. C'est l'heure de retrouver Elio Di Rupo en direct du Studio 5 pour le grand prime de la Di Rupo Academy. À vous, le Studio 5. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir à tous nos concitoyens. C'est la Di Rupo Academy, l'émission qui permet aux petites gens de réaliser leurs rêves, devenir secrétaire d'État ou ministre. Ils ont répondu nombreux à notre appel à candidature et aujourd'hui nous recevons Cindy. Elle est jeune, elle est ambitieuse. Cindy, présente-toi. Bonjour, je suis Cindy, j'ai 35 ans, je viens d'Anderlu et je souhaite devenir ministre des Affaires étrangères. Elle est formidabilissime. Alors dis-moi, Cindy, j'espère que tu ne parles aucune langue étrangère. Ah si, je parle l'anglais, l'espagnol couramment, le néerlandais, l'italien, le russe, le japonais, j'ai de bonnes notions en chinois, mandarin. Ouh là là, mais est-ce que tu sais que c'est un motif d'exclusion, ça, Cindy? Rassure-nous, tu n'as aucun diplôme, aucun mandat politique. J'ai un doctorat en sciences politiques de l'université d'Harvard, une maîtrise en relations internationales de l'université de Princeton et un master en droit européen à Oxford. J'ai travaillé 5 ans à l'ONU. Je t'arrête tout de suite, Cindy. Mais tu sais que pour accéder au plus haut poste de l'État, nous n'exigeons que des petites gens. Oh là là. As-tu un graduat d'artisan pâtissier? Non. Oh là là, le jury à l'unanimité me signale que ta candidature est refusée. Oh là là. Tu gagnes néanmoins un an d'adhésion gratuite au Parti Socialiste. On ne sait jamais, ça peut servir. On a parfois besoin de remplaçants. Quant à vous, chers concitoyens téléspectateurs, je vous dis à demain pour un nouveau numéro de la Di Rupo Academy. Il est 18h52 et 07 secondes. C'est le moment de retrouver la Di Rupo Academy. Arrêtez ce générique! Stop! Mais qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, mais une panne technique, une grève sauvage, je ne sais pas ce qui se passe. Toujours est-il que je suis tout seul ici, il n'y a plus de candidat au poste de secrétaire d'État. Enfin... Mes amis, je suis un peu désolé. Mais oui, mais c'est terrible ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez pas un petit tour de magie ou une chanson pour meubler en attendant? Non. Ah, on me signale à l'instant qu'il s'agit d'une panne informatique. Ah bah oui, ça m'étonne pas, Microsoft vient s'installer à Mons. Mais qu'est-ce que je dois faire? Poussez sur CTRL, ALT, DELETE. Okay.